Je les crois bien quoi. Bon allez frérot, on fait une vidéo vite fait là. On va parler de l'affaire MHD là vite fait là. Parce que j'ai publié une vidéo hier soir là. Je vois des commentaires. Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il n'était pas là? Vous voulez savoir? Bon, je vais vous dire ça en deux deux là la famille, d'accord? Hier soir à 22h50, j'ai publié une vidéo où on voit l'équipe d'MHD avec MHD sur les lieux de l'homicide, je vous le dis, d'accord? En train de faire du sale à un petit, je crois le petit s'appelle Loïc, d'accord? Et bon, ils ont fait ce qu'ils ont, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont fait, on sait très bien, et ils lui ont coupé les couilles, ils lui ont coupé le nez, ils l'ont planté plus de 20 fois. Ça, on le sait, on va pas refaire l'histoire. Ce qu'il y a à savoir, est-ce qu'MHD était là ou pas, les frères? Et MHD était là, je vous le dis. D'accord? MHD, où il est sur la vidéo? On le voit pas parce qu'en fait, c'est lui qui est au volant, d'accord? Comment ça se passe? Ils sont arrivés sur les lieux. Ils ont écrasé le gamin. Donc je vous dis, c'est MHD qui est au volant. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas. Donc ce qui est à la base, pourquoi il est incarcéré? Parce que c'est lui qui a percuté le gamin. Ce qu'il y a d'autre à savoir, quand le gamin il a été percuté, les frérots, il n'a pas été éjecté vers l'avant, tu vois. Il est passé sous les roues de la voiture. Et c'est une fois qu'il était sous les roues de la voiture que ses collègues, ses fils de pute, ils sont venus, ils l'ont planté plus de 20 fois, mon frère. Hein? Ils lui ont coupé les couilles, mon frère. Hein? Ensuite, on voit MHD qui fait marche avant pour dégager justement la victime, d'accord? De là, si vous regardez bien la vidéo, on voit le collègue à MHD qu'il finit au niveau du nez. C'est à ce moment-là qu'on voit qu'il est en train de lui torturer le nez. Et ensuite, le mec, on le voit, il remonte dans la voiture, d'accord? Et une fois qu'ils ont fait ça, on les voit, ils repartent, d'accord? Donc c'est simple, les frérots, faut arrêter de s'inventer des vies. Le gars, il était là, et je vous le dis, c'est même lui qui a écrasé le gamin, d'accord? Là, il y en a même, ils croient que le mec il va sortir. Eh hey, les frérots, arrêtez de rêver. Le mec là, il est parti pour 30 piges, mon frère. D'accord? Il a fait une publication il n'y a pas si longtemps où il disait vouloir arrêter sa carrière. Ben maintenant, on sait pourquoi, les frérots. Il savait très bien que ça allait être chaud pour lui. D'accord? En fait, c'était juste le temps que la vidéo elle sorte. Les Kiss Day, ils ont eu la vidéo. Ils sont partis ramasser tout le monde, mon frère. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'histoire à se raconter. Le mec, il était là, il y a participé directement, d'accord? C'est pas genre t'es là, au pire si t'es là, tu fais rien, au pire il y a non-assistance à personne en danger. Eh frère, c'est un mec connu, au pire même pour ça, il l'aurait laissé dehors, tu vois ce que je veux dire? Avec contre-judiciaire, machin, machin, machin. Là frère, non, t'étais là, tu fais partie direct des auteurs de cet acte, bref, on va pas dire de nom, frère, c'est des fils de pute, hein. Donc voilà, arrêtez de vous inventer des vies, le mec il était là, et on le sait très bien, d'accord? Je vous le répète, il a écrasé le gamin, et c'est ses collègues, une fois que lui il a écrasé le gamin, que le gamin il est passé sous les roues de la voiture, qu'il était bloqué sous les roues de la voiture, que ces fils de pute ils sont venus et qu'ils l'ont terminé. Donc c'est facile, les frérots, vous êtes à plusieurs déjà pour commencer, vous venez vous l'écraser, une fois qu'il. Et le pire c'est que quand ils l'ont écrasé, ça se trouve, il était inconscient, tu vois. En plus, voilà, la justice, c'est ce qu'ils vont devoir démontrer. Est-ce qu'au moment du coup de pare-choc, quand ils l'ont écrasé, est-ce qu'il est mort sur le coup ou pas? S'il est mort sur le coup, eh, mais là, les frérots, moi, je vais juste vous rappeler un truc, les frérots. Il y a quelque temps, sur Internet, on voyait des trucs, des mecs, ils venaient, ils décapitaient des mecs, machin, truc, machin, des trucs de fils de pute. Personne cautionnait ça. Eh ben, moi, je vous dis, là, ils ont fait quoi, là, en fait? Cousin, quand tu viens, tu coupes des nez, que tu coupes les couilles des gens, frère. Ça revient à la même chose. Vous êtes des fils de pute. Moi, je suis rappeur, d'accord? Maintenant, on va parler clairement, d'accord? Le rap, il commence à me casser les couilles, mon frère. Tous ces putains de rappeurs, là, hein, il n'y en a pas un seul qui porte ses couilles, mon frère. Hein, vous êtes tous là à donner de la force à ce fils de pute, avec son équipe de fils de pute. Vous portez pas vos couilles. Tout ça parce qu'à un moment donné de votre carrière, vous avez collaboré. Vous avez mangé en chambre, vous avez chié ensemble, vous avez baisé ensemble, hein? Vous n'arrivez pas à vous dire non, ça c'est pas bien. Le frérot, voilà, au bout d'un moment, frère, si le mec il a fait ça peut pas être ton frérot, cousin. Tout l'argent que vous avez pu faire, ça enlève tout ça, frérot. C'est des fils de pute, d'accord? Quand je vois les mecs comme Niro qui sont là à donner de la force, le pire c'est que le mec, dans son statut, avant de donner de la force à MHD, le mec il dit quoi? Mes condoléances à la famille de la victime. Mais il est sérieux lui mon frère. Tu peux pas faire les deux cousins. Soit tu donnes de la force à la famille de la victime, d'accord? Mais même voilà,
Le mec, il a fait ça, frère, c'est un fils de pute. Il n'y a pas de force à lui donner. Donc, tous ces putains de rappeurs-là qui donnent de la force à MHD, je vous le dis, vous êtes des fils de pute. D'accord? Monsieur Propre, il parle pas pour rien, mon frère. Vous le savez très bien. Là, cousin, ça commence à me casser les couilles sur la vie de ma mère. On va même faire un son là-dessus, je crois, les frérots, sur la vie de ma mère. Hein, ils sont là, voilà que c'est quoi? C'est comment? Et vous-même, c'est pareil, mes frérots. La vidéo, là, partagez-la, commentez-la. Il faut vraiment que ces putains de rappeurs là qui donnent de la force à ce genre d'individus, faut les cramer. Hein, parce qu'à cette heure-ci, c'est vous qui leur donnez de l'argent quand vous achetez leur son. Et en fait, leur mentalité, elle est là, mon frère. Ça veut dire que ces mecs-là, demain, si vous-même vous attrapez, vous ou votre frère ou votre soeur, pour une histoire d'argent, ils peuvent faire la même chose, mon frère. Et ces mecs-là, vous leur donnez de l'argent. C'est des fils de pute. D'accord? Moi, je suis un Guyanais, je porte mes couilles. Le premier qui a un problème, mon frère, il vient nous voir. On va le régler, mon frère. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je vous le répète, on est des Guyanais, nous. Il n'y a personne qui va parler avec nous, cousin. D'accord? Vous êtes tous des chemettants en train de parler, mon frère. En train de faire les oufs. En train de donner de la force à des mecs. Frère, c'est pas la force qu'il faut lui donner, mon frère. Souhaite-lui qu'il mange une grosse bite en prison, mon frère. Moi, c'est tout ce que je souhaite. T'as compris? À cette heure-ci, mon frère, les parents, quand ils sont partis voir leur fils, leur enfant, à la mort, frère, eh, faut savoir une chose, frère. Tu vois ton gamin comme ça, plus de 20 coups de couteau, frère, hein, marchetant, les couilles coupées, le nez coupé, frère, les parents, ils se sont évanouis, frère. Les parents, ils se sont évanouis, hein. Donc, c'est voilà, au bout d'un moment, on va pas épiloguer 10 piges là-dessus, frère, hein, on n'est pas là pour le buzz, on est là pour dire la vérité. MHD, toi et ton équipe, vous êtes des fils de pute. C'est un 9-0 qui te le dit. Hein, s'il y a un problème, vous savez me trouver, cousin. Mon équipe, vous la connaissez. Et vous allez rien faire du tout. Vous savez très bien. D'accord? On rigole pas, vous savez très bien. Bonne soirée, la famille. Bonne journée. Et voilà, désolé pour le coup de nerf, mais ça me casse les couilles, la famille. Voilà. Peace.